L'agoraphobie, la peur des chats, des chiens, des éléphants, des serpents, des souris, des araignées, des chauves-souris. Alors on peut traiter la peur de l'eau, la peur de conduire sur l'autoroute. La peur de sauter, la peur de rester, la peur des épines, la peur de porter des bonnets, la peur de vieillir, la peur de rester jeune. La claustrophobie, c'est la peur des grands espaces, le fait de ne pas savoir par où sortir. L'oclophobie, c'est la peur de la foule. La peur de conduire. Il y a la peur des araignées, vous pouvez traiter des phobies, comme par exemple parler en public. Difficulté face à l'échec, on va parler de manque de confiance en soi, la peur de décevoir, le fait de se sentir bloqué, le fait d'avoir envie de fuir, juste d'être ailleurs. Les colères, l'incapacité à gérer sa colère, le rejet de ce qui nous entoure. Des sentiments de dépersonnalisation, des sentiments en général, excès de sentiments, tristesse, colère, des comportements addictifs ou indésirables comme les TOC, les troubles obsessionnels compulsifs. Dans certains cas, des troubles physiologiques, quand ils sont diagnostiqués psychosomatiques. Des questions d'estime de soi. La peur des chiens, la peur de passer un examen. La peur d'échouer, la peur des chats, la peur des pieds, la peur des mains, la peur du citron, la peur des oranges, la peur des insectes, la peur des arbres, la peur du haut, la peur du bas. Toutes sortes de phobies sociales, et la plus importante récemment pour moi, ça a été la phobie scolaire. L'angoisse, elle est vraiment traitable avec la régulation émotionnelle. La peur d'être malade, la peur de mourir, la peur du vide, la peur d'avoir des amis ou la peur de ne pas avoir d'amis.